Les Rwandais nous ont daubés avec force. Ils ont daubé nos mamans, nos soeurs, nos grands-mères avec force. Les Rwandais. C'est pour dire que quand j'entends le mot Rwandais, c'est que je ressens au fond de moi. Je prends à témoin le bureau du CICR de Dolizy à l'époque. Nous, on vivait dans la rue Président Boganda. On était côte à côte avec ces Rwandais qui nous ont tués. Il y a encore des ossements jusqu'aujourd'hui, là où on a fait nos toilettes. Notre parcelle, c'était une fosse commune, comme on peut l'appeler aujourd'hui. Et en 2018, j'ai rencontré des amis rwandais qui m'ont dit que c'était les Rwandais de l'autre côté, ceux qui étaient des Koulouna chez eux en 1994, que ce n'était pas eux. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, ces Rwandais sont encore sur notre territoire. Ils se sont fondus dans la masse. Les femmes telles que nous sommes, on a fait les enfants avec. Bref, c'est peut-être l'amour. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit des Rwandais qu'on allait encore chercher pour venir prendre nos terres. Je suis tombée sur une vidéo qui m'écœure. Les femmes qui sont en train d'être chassées de leurs terres avec des semences à l'appui. À cause de qui? À cause des Rwandais. Mais vraiment, vous qui nous gouvernez, est-ce que vous aimez vraiment le Congo? Est-ce que vous aimez le Congo? Les Congolais sont en train de gémir. Le fait est qu'on aille à l'école, qu'on n'a pas de boulot, ça, on supporte ça. On nourrit nos enfants à notre façon. Nous-mêmes sommes chômeurs. Les enfants que nous avons faits, ils ont fini l'école, ils sont chômeurs. Tout ça, on vit avec. Le fait est que Total, à l'époque, c'était Elf. C'est-à-dire, pire le Congo. Nous sommes là, on regarde. Le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Les routes ne seront pas telles si le Congo était bien géré. Bref, le fait est que les Chinois sont venus faire une usine de poissons ici au Congo. Le makwala, c'était ce qui nous nourrissait. C'était avec, on vendait le makwala pour envoyer nos enfants à l'école. Vous avez permis que les Chinois fassent une usine de farine de poissons pour aller nourrir eux leurs poissons. Il n'y a plus de makwala. Ça, nous avons supporté. Le fait est qu'à Fouati, les jeunes creusaient le plomb, le zinc, le cuivre avec leurs mains. Pour nourrir leur famille, il n'y avait plus beaucoup de voyous à Fong Tchétché. Vous avez dit que les jeunes ont volé dans la concession des Chinois à cause d'un seul Chinois. Aujourd'hui, vous avez arrêté l'activité minière. Ça, nous avons supporté. Aujourd'hui, parce que moi, j'ai posé la question à un Rwandais. Oui, je répète. Il m'a dit que c'était les Rwandais de l'autre côté. Donc, vous êtes allé encore chercher les autres côtés des Rwandais pour venir nous arracher nos terres. Ça ne va pas s'arrêter là. Ça sera 100 hectares, 2000, 3000. Après, ça sera tout le Congo. Est-ce que le Congo est votre propriété privée? Vraiment. 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 Personne n'en parle ce que nous avons vécu. Je ne mesure pas notre souffrance à la souffrance des gens de Goma. Mais nous aussi, on a été. On nous a fait des choses, nous. Tout ça, c'est au-dedans de nous. Personne n'en parle au Congo. Personne n'a osé lever le doigt. Donc, nous avons toutes ces souffrances au-dedans de nous. Mais attendez, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je sais que vous allez venir m'arrêter. Parce qu'au Congo, quand tu parles, on vient t'arrêter. Mais le jour que vous allez venir m'arrêter aussi mes enfants, parce que j'ai les enfants à bas âge. Arrêtez aussi nos enfants. Ayez quand même pitié. Vous, vous allez vous en sortir. Vos enfants vont s'en sortir. Vos grands. Mais vous avez des générations qui vont arriver. Ayez quand même pitié. Je crains beaucoup, 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 beaucoup pour l'avenir, hein, parce que je ne vois pas comment tout ce que Sassou a pu faire là pourra continuer comme ça, à l'infini, génération après génération. Donc, fin de fin, les Congolais vont se coaliser contre les Mouchis et nous resterons de vivre ce que nous avons vécu au Rwanda, c'est-à-dire un génocide contre les Mouchis, parce que déjà, ils sont minoritaires au Congo. Vous voyez? Et là, je le dis, ne voyez plus le nord, le sud, hein, il faut voir vraiment tout le Congo contre les Mouchis. Parce que ce n'est pas possible ce que Sassou a fait. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable.
Dans aucun pays au monde aujourd'hui, nous avons ce qui se passe au Congo. Tout appartient au Mboshi. Tout, absolument tout. Parce que même les armes de l'armée, c'est pour les Mboshi. Les autres militaires n'ont pas accès aux armes. Fais très attention de tout ce que tu dis. Tu as la famille au Congo-Brazzaville. C'est à cause de la peur qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à affronter des choses comme telles. C'est à cause de la peur. Vous avez peur de quoi?